Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be all. Bon matin, tout le monde. Et qu'un matin, je me suis levé. J'ai fait un peu de ménage, puisque la femme de ménage, ben, elle n'avait pas passé encore. Le bordel d'un bateau, c'est une chose, j'apprends à vivre avec, on n'a pas le choix, c'est tout le temps comme ça avec les travaux du bateau. Mais la propreté, c'est une autre chose. Fait que à cette heure, ça c'est fait. Je vais continuer pour le remplacement de mon deck Wastefield, que j'ai commencé hier, puis que là, il s'est mis à pleuvoir, fait que j'ai été obligé de patcher ça vite avec du tape pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Puis comme je dis, j'avais trouvé mon silicone parce que je voulais pas ouvrir un autre tube de silicone pour rien. Fait que là, on s'en va fermer ça parce qu'il annonce la pluie encore après-midi. Là, ça me prend un grattoir. Fait que je vais aller chercher mes grattoirs pour nettoyer le trou comme faut pour que le silicone adhère bien comme faut. Je vais aller travailler sur mon safran si il n'y a pas de pluie encore. Il annonce encore de la pluie aujourd'hui. Fait que si je suis chanceux, je vais pouvoir continuer mon travail sur la coque. To the sea, into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like. Ça va être important que ça soit propre. Ça ne tente pas de le refaire deux fois, l'eau rentre dans le bain. Il y a une autre chose que je vais faire, c'est que je vais repercer les trous qui tiennent le deck fill. Les trous qui sont déjà là, je suis sûr que si je revisse dedans, ça se peut que les vis y strippent. Je ne prendrai pas de chance, je vais repercer les plus petits trous, puis je vais décentrer un petit peu, je vais mettre de nouveaux trous. Et comme ça, je vais être sûr qu'il va s'asseoir comme il faut dans son silicone et qu'il va tenir solidement. On va start les trous. Sont percés. Je vais faire un petit dernier nettoyage, puis on va pouvoir sceller ça. C'est ça que c'est, récupérer des tubes de silicone. C'est bien beau à le taper, s'assurer que ça va pas sécher. Il est pogné pareil, il a jamais voulu sortir, fait que j'ai dit, garde, pas grave, on va le sacrifier. Percer un trou sur le côté. J'ai pas eu le choix. Bon, lui, il est bien installé, bien collé. J'ai fait un ménage ici puisque j'ai essuyé le silicone qui est alentour. J'ai réussi aussi à changer la vis qui était endommagée. Je n'ai trouvé une identique. J'étais chanceux. Ça vaut la peine de garder nos vieilles affaires. À cette heure, je vais aller voir en bas, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ouais, c'est pas pire. Ça n'a pas fait trop de dégâts quand j'ai gratté et j'ai enlevé le vieux silicone parce que j'avais gardé mon bocal, si jamais l'eau rentrait cette nuit, puis il pleuvait trop fort, puis le duct tape tenait pas. J'avais mis un petit bocal ici, fait que toutes les morsures ont tombé dedans. Fait qu'il y a eu double fonction. Le résultat final. Ce qui est vraiment pas pire, c'est que celle-là est un petit peu plus courte que celle d'origine.
Je fais que ça va me permettre. Si j'installe la hose, si je suis obligé de faire un S avec une hose flexible, ben ça me donne plus de place. Au pire, comme j'ai dit, j'aimerais ça mettre du PVC, mais ça, on va voir qu'est-ce qui va être disponible et qu'est-ce que je vais pouvoir faire une fois que la tank va être fixée en place. Je dois aussi me laisser de l'espace en arrière pour laisser passer les boyaux. Les boyaux descendent en arrière de la tank. Bon, ce qui est pour de la tank, ça va être assez pour aujourd'hui. Présentement, je vais aller faire le safran, je graine mes petits trous. Parce que je vais pouvoir commander mon époxy que je vais avoir besoin pour la réparation. Fait qu'on se revoit en bas. Quand même pas si pire, il m'en reste encore un peu à grinder l'autre bord. Ici, tu vois que c'est juste comme la partie qui était boursouflée, c'était juste un peu comme délaminé, mais c'est pas arrivé à la fibre. Là, ici on voit la fibre, mais il a déjà été réparé. Donc, on dirait que c'est la réparation qui boursouflait. Donc là, j'en ai enlevé un peu. Je vais remplir ça d'époxy, je vais ressembler ça. Je vais peut-être l'enlever un petit peu plus au centre pour aller rechercher une meilleure pointe dedans. Comme lui ici, vu qu'il était à fibre de verre, ben, il va avoir une meilleure adhésion avec l'époxy que je vais mettre. Il va me rester l'autre côté à faire. Puis l'autre côté, il n'y a pas de boursouffle comme ça, mais il y a plus comme des petites craques. Fait que je sais pas si c'est la même chose, c'est juste la démination du dessus, c'est pas rien pour la fibre de verre. Fait que je vais grinder puis je vais aller voir ce que ça va être le résultat de ça. J'ai fini de grinder l'autre côté. L'autre côté, c'était plus comme des craques. J'ai enlevé, j'espérais que c'était juste le coating sous-dessus qui était juste craqué, mais ça semble être un peu dans la fibre aussi. Fait que j'ai grindé jusqu'à la fibre. J'ai grindé un petit peu la fibre, puis je vais aller remettre ça d'époxy dans la craque. Mais la craque, je vais la rouvrir un petit peu. Fait que je vais prendre ma Dremel, mais avec un petit bout d'ici. Moi, juste pour dire, je vais y faire une petite entaille pour que l'époxy rentre comme il faut dedans. Puis le restant, parce que le safran, il est super solide. Il est pas mou, rien. Fait que d'après moi, on n'a aucun problème avec la mèche. Ça n'a pas été affecté. On fait une réparation d'époxy. Puis dans 2-3 ans, mais qu'on sorte pour refaire l'anti-falling, à ce moment-là, on va y rajouter un bon coup d'œil. Puis si on trouve quelqu'un qui est super bon avec la fibre de verre, ben on le fera faire au complet à ce moment-là. C'est fun d'avoir une Dremel à la batterie, mais quand t'as plus de batterie, c'est plate. J'ai passé au travers de mes deux batteries. Ça veut dire que je vais recharger ça. Puis je vais voir l'heure qu'il est, mais je pense qu'il est bientôt l'heure de souper. Fait que anyway, je pense que je vais aller faire une petite promenade dans la ville. Puis après ça, je vais me laver. Je vais me faire un bon petit souper. Puis je vais passer une petite soirée relax après. Into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Ma ride était un petit peu plus longue que prévu.
j'ai croisé mes amis du voilier Alter Ego. Pour ça, il m'a invité pour un petit 5 à 7 sur le voilier. Puis on a vu aussi Nicolas de Voyer Gratitude. On a passé une belle petite soirée à jaser ensemble. C'est le fun parce que c'est on bâtit la gang avec qui qu'on va descendre avec pour aller aux Bahamas. Ça promet. Ça va être le fun, ça je vous le dis.